Soyez venu. J'avais vraiment peur. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as peur? Pankti, Tara. Le tueur envoyé par Tara est après moi. Il me laisse pas sortir de Londres. J'ai vraiment peur. Mais ne t'en fais pas. Je ne veux pas qu'à cause de moi tu aies des problèmes. Ne dis pas ça à Rui. Les amis sont là pour s'entraider, tu le sais. Alors ne me dis pas ce que je dois faire ou pas. Laisse-nous t'aider. Ok? Hein? Allez, on y va. Venez vite. Restez ici, d'accord? J'ai quelque chose à faire. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer, s'il vous plaît... Non, merci. S'il vous plaît, je dois m'y rendre absolument, monsieur. Non. J'aimerais aller à cette adresse, mais je ne sais absolument pas par quel chemin passer. Okay, suis-moi, on s'en va. Ok, désolé, pas de problème. Ah, c'est ça, ouais, fous-moi le camp. Madame, Monsieur Monty est à l'intérieur. Oh, oui, merci. Je peux entrer? Oui, s'il vous plaît. Mademoiselle Kera Danrajgir, prenez place. Merci. Vous voulez un thé? Un café? Un café. Monsieur Gupta, je peux vous rappeler? Bien, merci. Eh bien, votre CV est très intéressant. Merci. Directeur général de la JMD. Pour autant que je sache, chez JMD, on n'a jamais fait de planification. Peu importe ce qu'il y a là-bas, c'était un peu comme chez JD. Alors, qu'est-ce que vous leur avez apporté? Vous avez raison, monsieur. En ce qui concerne l'idée de planification, je n'ai pas apporté grand-chose à JMD, et rien ne me retient non plus.
Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai quelque chose à cacher. Quand de nouveaux employés sont recrutés, ils doivent apporter un plus. Et vous êtes l'un des meilleurs employeurs. Vous cherchez à m'impressionner, là. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est mon travail, après tout. Ne pensez-vous pas que le fait de vous recruter ici serait une façon de défier JMD? Quand j'étais à JMD, j'y consacrais toute ma vie. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que JMD dépend d'une seule personne. Je n'y voyais aucun intérêt. J'assume ce que je dis, monsieur. Vous devez tout savoir. Vous savez que de nos jours, les affaires professionnelles et personnelles vont de pair. Promettez-moi une chose, je veux que cet entretien soit strictement professionnel. Dans ce cas, je pourrai répondre à absolument toutes vos questions. Du café. Quoi? Vous aviez demandé du thé ou du café? Oh, je suis vraiment, vraiment désolé. En fait, j'avais complètement oublié. En fait, notre café est très très bon. Vous essayez de m'impressionner? Qu'est-ce qu'il fait? J'appelle à la réception. Allô? Oui, c'est pour Val, appareil. Je n'arrive pas à joindre Monsieur Monty depuis tout à l'heure. Désolée, madame. Actuellement, Monsieur Monty s'entretient avec quelqu'un. Et il a demandé à ne pas être dérangé. D'accord. Quand il sera libre, s'il vous plaît, dites-lui que j'ai appelé. Très bien, madame. Je suis content que vous soyez venu. Je veux dire, félicitations. Vous êtes embauché. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Allô? Oui, je vous envoie Mademoiselle Dunrajgir. Dites au RH de lui montrer son bureau et de la briefer sur le travail à faire. Merci. Bon, eh bien, bonne chance à vous. Merci. Aidez-la. Par ici, madame. Vous pouvez venir voir, s'il vous plaît. Prenez ça avec vous. D'accord. Monsieur, madame Pourva a appelé. Elle a essayé de vous joindre sur votre portable, mais sans succès. Elle avait l'air très agacée. Merci. Ah, Roy, tu nous as appelé au bon moment. Voici tes papiers. Garde-les soigneusement. Anne, Pankti, merci infiniment. Si vous n'aviez pas été là, je serais bloquée encore ici. Merci. Ah, Roy, ne nous remercie pas. Il faudrait plutôt prier pour nous. Dieu protège toujours ses enfants. Écoutez, tout se passera bien à présent. Je vous mets toujours dans mes prières. Attends-moi, s'il te plaît. Ah, Roy. Quand tout ça sera fini, qu'est-ce que tu feras ensuite? À quoi penses-tu, Pankti? J'amènerai Nikki et Shawani quelque part dans le monde. Où je serai à l'abri de ces gens qui sont après moi. Je m'en vais. À propos, un instant. Je n'ai jamais rencontré Rayan Jiwan. Je ne le connais pas. Mais, en le voyant, j'ai senti qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Soyez prudents, tous les deux. Merci. Oui, ma sœur, on est bien arrivés. Oui, il y a un décalage horaire. On est encore fatigués. Je te promets de te rappeler plus tard, ok?
Regarde ce restaurant qui est là. On y va? Écoute... Shopping? Anne, pourquoi est-ce qu'on marche autant? J'espère que tu n'as pas donné une mauvaise adresse au chauffeur de taxi. Voyons, j'avais déjà demandé gentiment avec mon accent anglais. Please, pouvez-vous m'emmener à cette adresse? Et il m'a répondu avec son accent britannique, of course, with pleasure. Bon, au fait, tu as remarqué? Nos taxis sont noirs et jaunes. Les leurs sont noirs et aussi blancs. Ah, Anne, arrête de débattre sur les taxis. Où est-ce qu'on peut trouver Rayanche? Ne sois pas nerveuse, Pankti, tu es avec ta rockstar. Tu es en sécurité. Toutefois, si tu as le moindre doute, tu sais qu'il y a de belles dames ici. Je me renseigne. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve Soho? Désolée, je ne sais pas. Oh, ok. Cette belle dame ne connaît pas. Alors je vais demander à une autre. Elle saura peut-être. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, désolé, bébé, vraiment désolé. Désolé, mais on doit aller au marché Soho et on est à Trafalgar Square. Marchons un petit peu, s'il te plaît, Pankti. Allez, on y va. Je suis désolé, attends, j'étais vraiment occupé. Je suis aussi occupé. Écoute, je t'ai ramené des fleurs, tu as vu? Regarde, je me tire moi-même l'oreille, je suis désolé. Chérie, j'avais un entretien qui était vraiment très important. Le poste était déjà vacant depuis plusieurs jours et il fallait vraiment trouver quelqu'un et... Écoute, je t'aime vraiment. Pourva, si tu m'aimes vraiment, alors s'il te plaît, accepte-les. Écoute, je t'en supplie, si tu n'aimes pas ces fleurs, alors je t'en achèterai d'autres, promis, mais accepte-les, Pourva, s'il te plaît, accepte-les. Écoute, je ne referai plus cette erreur, crois-moi, mais s'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, Pourva. Pourva? C'est pour vous. Des roses? Je n'aime pas les roses. Néanmoins, je vous félicite. J'ai entendu dire que tu as fait une demande à Pourva. Une demande en mariage. Cependant, tu sais tout de même que... techniquement, tu devrais avoir ma permission. Une permission? Eh bien, dites-moi, Madame Anita, puis-je me marier avec votre fille? À une condition. Le mariage de Pourva et Pankti se fera au même moment. Excusez-moi, monsieur. Ah. Anne, tu penses qu'on est au bon endroit? Tu en oui, es sûr? Oui, il nous a donné rendez-vous au marché Soho. Et nous y sommes, là. Allons par là-bas. Hé hey! Alors, les gars. Salut. C'est comment? Vous aimez Londres, hein? Super, super. Et tout ça juste pour vous. Ça vous plaît? Ouais. Et le spectacle? Vous allez aimer. Je continue à promouvoir ces gens. Ouais, c'est pour moi. Ok, prenons un selfie. Une minute. Ah, c'est cool. Merci, Rayanche. Personne ne nous a accueillis comme ça auparavant. Voyons, ne me remercie pas. C'est trois fois rien, tu sais, et puis je dois vous mettre à l'aise. Je vous ai réservé une surprise. Croyez-moi, j'ai mis tout à votre disposition. Londres va vous traiter comme roi et reine. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. J'ai déjà tout préparé. Un petit spectacle, un grand spectacle, un spectacle de rue, un spectacle en groupe, tout est fin prêt. Et le dernier spectacle que vous allez présenter est aussi prêt. Vous devez juste jouer et en profiter, c'est tout. Au fait, j'ai envoyé vos bagages directement à l'hôtel. Allez-y et reposez-vous, ok? Voici les clés. Une pour toi. Merci. Celle-ci pour toi. Merci. Allez-y,
Amusez-vous, ok? Allez, on y va. Où est-ce qu'on va? Hôtel? À l'hôtel? Londres ne te plaît pas? Voyons. Est-ce qu'on pourrait vous acheter quelques articles? Bien sûr, vous avez une idée. Qu'est-ce que vous avez ici? Regardez, on a Big Ben. T'as vu ça? Est-ce que tu l'aimes bien? Anne, qu'est-ce que tu penses de tout ce que Haroui nous a dit? Je ne sais pas, Rayanche me semble plutôt sincère. De plus, Haroui n'a rien dit de mal sur lui. Oui, mais tu ne penses pas qu'on lui fait confiance un peu trop vite? En fait, je veux dire, on vient juste de le rencontrer. Est-ce que tu as des doutes? Anne, mon sac! Mon passeport, mes papiers, tout... Je le rattrape. Merci, vous étiez là. Je croyais qu'on l'avait perdu. Ça n'arrivera pas. Vous êtes sous ma responsabilité. Et Rayanche Diwan s'acquitte pleinement de ses tâches. Tenez. Merci. Heureusement que vous étiez là. Son passeport est à l'intérieur avec son visa. Vous nous avez évité un gros problème. Jeune homme. Quand je suis là, il peut rien arriver à cette dame. Ce n'est pas possible. Oh, oh, oh! Je viens de me rappeler d'une chanson indienne. Si un problème arrive à mon petit rossignol et à ma rockstar, ça devient le mien. Ne vous en faites pas. Je suis toujours à votre service, ce n'est rien du tout. Ok, je vais vous déposer tous les deux à votre hôtel, c'est cool. Allez, allez. Allons-y, suivez-moi. Ok. Tu l'as tué? Et pourquoi m'appelles-tu de son téléphone, hein? Tu peux me le dire. C'est Haroui à l'appareil, Tara. Ton gorille n'a pas pu m'arrêter. Et tu n'as pas pu me tuer non plus. Combien de fois vais-je devoir te faire comprendre cela? Que je t'ai battu à ton propre jeu. À propos, personne ne peut faire de mal à un enfant de Dieu. Haroui! Comment as-tu fait pour t'échapper? Ce n'est pas grave. Jusqu'à ce que tu meures, je ne cesserai de te traquer. Comment vas-tu venir en Inde? Il faut que tu aies un passeport. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que la police te traitera bien. J'ai pris toutes les dispositions, Tara. Tu m'as envoyée en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Maintenant, c'est à mon tour de t'envoyer en prison pour le crime de ton mari. Oh, oh, oh non, c'est pas possible.
J'ai laissé suffisamment de preuves pour que la police s'en serve afin de t'inculper pour le meurtre de Deep. Ton arrestation est imminente. Deep. Entre les quatre murs de la prison, tu penseras au nombre de péchés que tu as commis. Jusqu'à aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas possible. Deep ne peut pas mourir. Tu es une menteuse, tu mens, Haruhi. C'est faux. Je dis la vérité, Tara. Je détiens la preuve que le meurtre de Deep a été commis par sa propre femme, Tara. Ce n'est pas vrai, elle ment. Vous savez, il n'y a pas d'été à Londres. Dès que le jour se lève, la nuit tombe. Alors ne soyez pas en retard, d'accord? Quelle heure tu as, Anne? Oh, il est 9h. Tu vois, il est 9h. Du soir, et il fait encore jour. Notre pays est bien mieux. Là-bas, on distingue le matin, l'après-midi et la nuit. Eh bien, quand il fait nuit, j'adore ça. Ah. Ah, au fait, Anne, la chambre de ton hôtel est au 3e étage. La salle de conférence se trouve au même étage. Et les personnes chargées des costumes y sont aussi. Et la mienne? La tienne? Mon meilleur poulain, tu es sous ma responsabilité, ma belle. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour ta sécurité, ta chambre est à côté de la mienne. Tes maquilleurs et tes costumiers sont au même étage, bien sûr. D'accord? Ok. Ah, désolé. Je reviens. Anne, allons de ce côté. Merci. Pourquoi êtes-vous venu ici? J'allais venir. Je voulais offrir quelque chose à Anne. Je t'en prie. Combien? Anne, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ça te protégera des mauvais présages. Tu as raison. Combien d'Indiens se sont fait expulser de l'Inde? Ils ne peuvent pas empêcher les Indiens d'aimer l'Inde. Ce présage ne peut pas s'appliquer ici. Pankti, tu es avec moi. Et je suis avec toi. Nous sommes ensemble. Comment tu veux qu'un mauvais présage m'arrive? Ah, que c'est romantique. Wow. Anne a tout à fait raison. Et en passant, quand deux amoureux sont ensemble, personne ne peut les toucher ou leur faire du mal. S'il te plaît, Anne, prends-le. D'accord, je le prends. Tu acceptes si vite, c'est tout. Voyons, mon garçon, tu devrais te faire un peu désirer, n'est-ce pas? De toute façon, si cette histoire de cadeau continue, je vais m'y mettre aussi. Et un pour la reine.
et un pour le garde du corps. Tu aimes ? Merci beaucoup, Rayanche. Tu avais raison. Tu veilles sur nous. Crois-moi, tu nous as très bien accueillis dans cette ville. Avant ce jour, personne n'avait fait comme toi. Oh, ok. C'est bon. Merci pour les compliments. Allez, on y va. Oui. Allons-y. Pankti, attends! Pankti, écoute-moi au moins! Han! Pourquoi tu t'es enfui? J'avais l'air d'un méchant? Attends, je vais te rendre la monnaie de ta pièce! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh! Pankti! Mon plan était pour un but. Nous sommes là tous les deux, avec une baignoire pleine de mousse. Laisse-moi entrer. Tu seras ma femme bientôt. S'il te plaît, c'est mon droit. Laisse-moi entrer. Allez, s'il te plaît. Non. Tu seras mon mari. Et moi, ta femme, et c'est aussi mon droit de te dire d'aller te reposer pour te lever tôt, pour être en forme pour demain, car tu vas devoir chanter devant tes fans. Alors vas-y, dépêche-toi. Pankti, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas de s'il te plaît. Enlève ta main. Au revoir. Pankti ? Elle n'est pas là. Va-t'en et bonne nuit. Pankti, je vais vraiment passer pour un fou ici. Les gens vont se moquer de moi. S'il te plaît, laisse-moi entrer. S'il te plaît. Pankti ! Pars, bonne nuit. Très bien. C'est toi qui viendras à moi alors. Je ne viendrai pas. Bonjour. Je t'aime, Al. Bonne nuit. De Monsieur JD. Bébé. Non. C'est mon imagination. Anne. Anne, ouvre la porte. Anne.
la porte. Anne. Anne. Je te l'avais bien dit, que tu viendrais de toi-même. Et pourquoi est-ce que tu portes des habits si légers avec ce froid ? Viens avec moi. Assieds-toi. J'étais en train de répéter. Madame ? Madame, vous ne pouvez pas le rencontrer sans rendez-vous. Attendez, madame, écoutez-moi. Madame ? Madame, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Désolée, monsieur, j'ai essayé de l'arrêter, mais sans succès. Venez. Dites-moi, vous êtes spécialiste des entrées spectaculaires? Après tout, je suis une superstar. Comme vous êtes là, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien. À part un accord. Un accord. Quel accord? Un accord pour pourvoir. Vous pensiez que sans donner d'acompte, vous alliez prendre l'article comme ça? Pourtant, vous étiez ravie pour le mariage. Je ne peux rien dire à Pourva. Elle n'est pas au courant. Ça va se passer comme entre un courtier et son client. C'est pour ça que je suis venue sans le dire à Pourva. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi. Mes filles ne sont pas des filles ordinaires. Elles sont mes investissements, mes poules aux œufs d'or. Mais gagne-pain. J'ai des fonds communs de placement et de la crypto-monnaie aussi. Si je marie ma fille gratuitement, est-ce que tu crois que je vais m'asseoir et jouer à la loterie? 10 millions. N'imagine pas que mon prix est très élevé. Anne a aussi donné cette somme pour Pangti. Pourva ne devrait-elle pas en valoir autant? Si on regarde bien, tu as beaucoup plus d'argent qu'à Anne. Tu devrais donc en donner plus. Je vais te faire un rabais. Chèque, virement, espèces, paiement en ligne, j'accepte tout. J'ai besoin de temps.
Ah oui. Je pensais que tu étais déjà prêt. Comme tu dis être amoureux, tu vas aussi me donner 10 millions. Pas de problème. Prends tout ton temps. J'attendrai. Mais pas trop longtemps quand même. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien du tout. Juste comme ça. Je me sens bien et je sens que je peux faire tout ce que je veux sans que personne ne m'arrête. Tu sais ce que tu dis, mon cœur ? Peu importe ce que tu me demandes, je répondrai positivement à tous tes souhaits. Vraiment ? Bien sûr. Essaie, tu verras. Crème glacée. Une crème glacée ? Excusez-moi, je peux ? Désolé, merci. Demande encore. Un chapeau. Un chapeau ? Désolé, monsieur. Merci. Voilà ton chapeau. Autre chose ? Danse. Une danse ? Laquelle ? La Bhangra ? Ou alors le Bollywood ? Ou alors je peux faire comme ça ? Bollywood. Bollywood. Et qu'est-ce que madame veut de plus ? Toi. Moi ? Je suis toujours avec toi. C'est bon ? C'est bon ? Viens par là. Pourquoi tu veux toujours te prendre en photo avec moi ? Oh, alors tu n'as plus peur du mauvais présage ? En tout cas, quand tu sors ta langue sur chaque photo, tu ressembles exactement à un petit démon. À partir de cet instant, je veux juste te prendre en photo. Seule, la belle sans la bête. Fais la pose. Ensuite, c'est moi qui te prendrai aussi en photo. Allez, positionne-toi. Un si grand sourire ? Et s'il n'est pas pour moi, il est pour qui ? Rayanche. Hey ! Alors, en Grande-Bretagne, l'histoire d'amour continue ? Très bien. Le travail pour lequel vous êtes là, il faut aussi se concentrer là-dessus, hein ? La Grande-Bretagne doit aussi vous écouter, n'est-ce pas ? Le festival aura lieu ce soir et des personnes importantes vont venir. C'est le moment de vous montrer une explosive et éblouissante chanson indienne. C'est compris ? Vous commencez maintenant, je vais prendre un café. Allez ! Sada mangu main rab se yahi dua raat si de
Ashiki, Ashiki.